Le titre. Ah ok. Et bam, c'est parti. Enfin, là c'est pas encore parti. Alors pour le titre, Julien, c'est Antoine. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Ça y ressemble déjà. Oui. Oui. C'est Magique Antoine, mais c'est pareil. C'est bon, on t'en perd. Non, mais le site, ouais, ouais, c'est pas trop trop grave ça. On est en direct là ? Vraiment ? Non, arrête. Oh là là ! Bonjour. Max qui veut me faire danser dès ce dimanche après-midi. Bonjour à tous, on est en direct pour ce deuxième jour du Festival OA à Jumièges. On a un très beau soleil aujourd'hui comparé à hier où il faisait pas très très beau au début, mais là on a un grand soleil magnifique. La journée commence très bien, les concerts vont commencer incessamment sous peu. Et j'ai été rejoint par Antoine, que l'on devait prendre en interview hier mais qui n'a pas eu trop le temps parce qu'il était pris sur son stand. Bah oui, parce que Antoine, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous, qu'est-ce que tu fais sur le festival? Eh ben, déjà, bonjour Martin. Et qu'est-ce que je fais sur le festival? L'andouille. L'andouille? Ah! Pourquoi pas? C'est une chose, mais non. Non, non, plus sérieusement, je fais de la magie. Je suis magicien, mais humoriste en même temps. Ah, donc un magicien humoristique. Oui, magicien humoristique et mentaliste, mais toujours dans l'humour. Ah oui, d'accord, c'est trois choses différentes. Voilà, puis je m'arrête là. D'accord. Alors, déjà, la première question, c'est d'où est venue l'idée de faire de la magie? Alors, je sais pas si on peut appeler ça une idée. Ça m'est venu comme ça instinctivement. J'étais jeune, j'avais 7 ans. J'ai toujours aimé la magie. Aussi loin que je me rappelle, j'aimais faire des tours de cartes, manipuler des cartes. D'accord. Et pour devenir tout ce qui est mentaliste et magicien, tu as eu des formations? Comment ça se passe, en fait, le processus? Oui, alors, mentaliste, j'ai fait ça un peu plus tard. J'ai commencé vers l'âge de 30 ans. D'accord. Donc oui, effectivement, il y a des formations, on apprend avec des livres, puis avec des amis aussi également qui sont mentalistes, on s'échange des astuces, enfin des façons de faire, et voilà, puis ça se travaille énormément. D'accord. Et du coup, comment t'es venu l'idée du coup de venir sur ce festival? Alors l'idée, en fait, c'est un ami qui m'a dit, écoute, OA organise un festival. Mmh. Ils m'ont dit ce serait génial si tu pouvais venir faire de la magie, avoir un petit stand, enfin même un beau stand d'ailleurs. Mmh. Et j'ai dit banco, je suis partant. Bah oui, et puis en plus je suis passé hier soir quand tu n'as pas pu faire un tour, je suis venu voir, tu m'as fait un tour de magie, j'ai disparu. Ouais, tu as disparu d'un claquement de doigts, hop. Non, tu m'as fait un tour de cartes et là ce matin on a fait la même chose mais sous deux formes différentes. Ouais. Et ouais. C'est franchement très instructif parce qu'en fait, on pense que la chose est à l'endroit, mais en fait, elle est ailleurs. C'est un peu le principe. C'est un peu le principe. Voilà, c'est un peu le principe, mais en fait, ça nous retourne le cerveau et c'est très, on va dire que c'est pédagogique. Ouais. Parce que du coup, ça nous fait réfléchir, ça nous fait penser. Mm-hmm. Et en fait, on pense pas au lieu où ça peut être. C'est ça, oui, il y a de ça. Il y a de ça, et puis ça rend fou aussi. Oui, et aussi. Mais il y a. Mais oui, en fait, parce qu'en fait, tout ce qui est tour de magie, en fait, peut y avoir quoi comme type de tour, par exemple? Bah, la cartomagie, la base, hein, donc le tour avec les cartes. Après, avec des différents objets, des anneaux, des pièces, des élastiques même. Et puis, après, le mentalisme, donc, est un art annexe de la magie, mais ça rentre dedans aussi. Mm-hmm. On peut faire avec des foulards, avec plein de choses. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment divers et varié en fait au niveau objet. Oui, oui, même avec les mains, rien dans les mains, je peux faire deux tours de magie avec rien dans les mains, rien du tout, comme ça, je peux le faire. Eh bah dis donc, tu peux nous faire là un petit tour vite fait ou... Il faudrait poser éventuellement les micros et ouais, on peut essayer un truc comme ça. On peut essayer, pas de soucis. Allez, j'ai rien, on va dire, j'arrive quelque part, on me dit fais-moi un tour, allez, je peux faire ça. Allez, vas-y, allez, montre-nous. On va essayer de parler fort, tu mets les mains comme ça. Ok, tu les mets face à face, tu les serres comme ça, ensuite tu les écartes et tu resserres comme ça, et maintenant tu fais comme ça de plus en plus fort. Merci beaucoup, il m'a applaudi, c'est super. Donc voilà, j'adore, j'ai encore rien fait qu'il m'applaudit. Ça c'est franchement, tu vois, voilà. Non mais blague à part, si tu veux vraiment que je te fasse le tour, je te le fais. Allez, allez c'est parti, plus sérieusement. Allez, plus sérieusement. Les mains comme ça, tu les croises comme ceci, tu les mets comme ça. Vous pouvez essayer chez vous, hein. Tu mets bien, alors les pouces vers le bas, c'est important, pouces bien vers le bas. Ok, maintenant tu fais comme moi, tu es prêt? À 3, tu les remets comme moi, attention, 1, 2 et 3. Ah, je suis loupé.
Un petit peu. Ah, voilà, je me suis loupé, mais c'est pas si facile que ça. Hein. Non, c'est pas si simple. Non, c'était sympa, c'était sympa. Du coup, comment on fait pour te contacter, te voir, comment ça se passe? Alors, pour me contacter, on décroche son téléphone et on m'appelle. Non, t'as des réseaux, quelque chose? Oui, bien sûr. Donc, les réseaux, c'est Instagram, Facebook, sur Magique Antoine, M-A-G-I-C-A-N-T-O-I-N-E, en un seul mot, pas de prise de tête. D'accord. Voilà, Magique Antoine, on me reconnaît, une casquette, la barbe, et puis c'est moi, voilà. Ok, voilà. Eh bah, très bien. Merci d'être venu et puis bah, je souhaite un bon festival du coup pour ce dernier jour. Merci beaucoup Martin, merci à la radio.